الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers musulmans, les jours se succèdent et passent et nous ne cessons d'être étonnés par ce que les gens inventent. Nous vivons une époque particulière et spéciale dans laquelle les gens gaspillent toutes leurs forces et dépensent toutes leurs motivations dans le but de s'embellir, dans le but de mettre en évidence leurs atouts physiques et en particulier leur visage. Tu les vois se maquiller, utiliser des graisses, des crèmes, des huiles, du maquillage, et même ceux qui vont le plus loin parmi eux n'hésitent pas à dépenser des sommes colossales chez les chirurgiens afin de corriger les défauts de leur visage selon eux. À une époque, on aurait pu adresser ce genre de discours aux femmes seulement, mais cette époque est révolue. Nous vivons une époque où nous ne faisons plus la différence entre beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. والشباب قد تخنث الشاء المذكر كالمؤنث إن أقسمت لست أحنث. Et beaucoup de jeunes se sont efféminés. Tu ne vois plus la différence entre le garçon et la fille. Et même si, et si je devais jurer, je ne ferais pas de parjure. On voit aujourd'hui des gens qui, avant de sortir, mettent un temps énorme dans la salle de bain à se préparer. Il y a la crème pour les cheveux. Il y a le sèche-cheveux. Il y a la crème pour le visage. Il y a le fond de teint pour cacher les boutons. Il y a ci et il y a ça. Tout ça pour paraître beau aux yeux des autres. Tout ça pour aussi se plaire à soi-même. Parce que ces gens-là ont développé un culte de leur propre personne. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les selfies, avec les filtres, les gens ne cessent de rechercher le meilleur filtre qui mettra en évidence leur beauté au maximum. Et j'ai les yeux bleus, et j'ai les yeux verts, et j'ai les yeux marrons, et j'ai des oreilles de chien, et j'ai une langue qui pend, et j'ai les joues rouges, et j'ai un appareil dentaire, et la liste elle est longue. Et tu les vois avec leur téléphone se prendre en photo avec tous les filtres qui existent. Et ils vont pas les garder pour eux, enfin si, ils vont les garder pour eux dans leur téléphone, mais il faut qu'ils en fassent profiter l'univers entier. Alors, ils créent des comptes sur les réseaux sociaux dans lesquels ils passent leur temps à envoyer leurs vidéos et leurs photos. Et ça marche. Alors, comme on voit que ça marche, on se dit, ben, si lui, il a réussi, ou elle, elle a réussi, pourquoi pas moi? Alors, tout le monde essaye de le faire. Et tout le monde passe son temps à se regarder dans le miroir, à se maquiller, à s'embellir, à transformer ce visage-là qu'Allah Ta'ala a créé. C'est normal. L'être humain, la partie de son corps qui a le plus de valeur pour lui, c'est bien son visage. C'est pour ça que la prosternation a cette particularité devant Allah Subhanahu Wa Ta'ala, parce qu'on met au sol ce qui a le plus de valeur pour nous, c'est-à-dire notre visage. Et Allah Ta'ala est beau, et il aime la beauté, comme le prophète a dit, alayhi salatu wassalam. Et les compagnons et le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, se faisaient beau. Donc il n'y a pas de mal à se faire beau. Mais il faut respecter dans cela les règles de notre législation, celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'interdiction de s'épiler les poils du visage, ou l'interdiction de se limer les dents, ou l'interdiction de changer la création d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et on fait référence à cela, dans cela, pardon, aux opérations de chirurgie esthétique. J'ai le nez trop long, ou le nez trop large, ou le menton pas assez carré, ou trop carré, j'en passe, et d'autres. Tout cela est strictement interdit, mes frères. Mais là n'est pas la question. Nous ne sommes pas ici pour parler de ce qui est interdit ou non dans la façon de s'embellir. Le point sur lequel on veut insister, c'est que ces efforts-là, dans l'entretien de notre belle beauté et de notre apparence physique, notamment celle du visage,
infutile. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas empêcher le vieillissement. Tu peux acheter toutes les crèmes que tu veux avec des molécules Q10 qui retardent les rides. Tôt ou tard, ta peau se fripera. Tôt ou tard, tes dents tomberont ainsi que tes cheveux. Tôt ou tard, cette beauté avec laquelle tu t'enorgueillis aujourd'hui finira par te quitter et t'abandonner. Et plus personne s'intéressera à toi et ne posera son regard sur toi. Plus personne. Et cette période-là ne durera pas longtemps. Quelque temps après, tu vas mourir et tu vas rejoindre ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Un Seigneur pour lequel les apparences ne sont pas importantes. Le prophète alayhi salatu wa salam nous a dit: Allah ne regarde pas vos visages ni vos apparences, il regarde vos cœurs et vos actions. Et wallahi mes frères, que si on faisait autant d'efforts dans la purification du cœur et dans le nettoyage de l'âme que les efforts qu'on fait à se faire beau pour les autres, nous serions des anges qui marcherions sur terre. Et un jour viendra un jour fatidique et terrible dans lequel la réalité de nos cœurs sera visible sur les traits de nos visages. Ce jour-là, les masques vont tomber. Ce jour-là, aucun artifice pour s'embellir. Ce jour-là, on ne pourra tromper personne. Yaumatoub al-Sarair, le jour où les secrets seront dévoilés. Un jour dans lequel les visages seront mis en avant. Toutes les créatures, lorsqu'elles seront ressuscitées, et lorsqu'Allah Ta'ala viendra pour les juger, comme Allah dit dans le Coran, leurs visages s'humilieront. وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّمُ. Les visages s'humilieront pour le vivant par excellence, celui qui subsiste par lui-même et qui par qui tout subsiste. Ce jour-là, il y a des visages qui seront blanchis et des visages qui seront noircis. Et lisez le Coran et vous verrez vous-même de nombreux versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala parle des visages le jour de la résurrection. Ceux dont le cœur était pur et les actions vertueuses verront leurs visages resplendir de lumière. Comme Allah dit dans le Coran, ce jour-là, leurs visages seront blanchis. Ils ne seront point assombris ni par la honte ni par l'humiliation. Ce jour-là, leurs visages seront resplendissants. Ce jour-là, leurs visages seront illuminés. Ce jour-là, leurs visages transpireront la gaieté et la joie et le sourire. Ce jour-là, des visages seront réjouis. Ce jour-là, des visages seront doux lorsqu'ils auront posé leurs affaires dans leur demeure au paradis. Tu pourras reconnaître sur leur visage la lumière de la joie. Quant à ceux dont les visages seront assombris, quant à ceux dont les visages seront noircis, c'est comme si des lambeaux de ténèbres nocturnes avaient recouvert leur visage. Ce jour-là, leurs visages seront assombris, humiliés, recouverts de poussière, recouverts de ténèbres. Ils seront tirés sur leur visage jusqu'en enfer. Ils seront rassemblés au fond de l'enfer sur leur visage. Puis leurs visages seront recouverts par le feu. Et ils ne pourront point le repousser de leur visage, ni de leur dos, et ils ne seront point secourus. Ce jour-là, le feu brûlera leur visage, et ils y auront les lèvres crispées. Ce jour-là, leurs visages seront culbutés au fond de l'enfer, et leurs visages seront retournés dans tous les sens au fond de l'enfer. Les frères, si vous pouvez avancer, barakallahu fikoum, s'il y a de la place, serrez-vous. Jazakumullahu khaira, si vous pouvez faire un effort, s'il y a de la place autour de vous, combler les espaces vides. Jazakumullahu khaira. Mon frère, Allah dit dans le Coran: Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. T'as le choix le jour de la résurrection. Deux personnes. Un qui va marcher le visage par terre. Il ne marchera pas sur ses pieds. Il marchera sur son visage. Son visage lui servira de pied pour marcher. Il y a un compagnon, il entend ça. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya Rasulallah, kayfa yamshi al-kafiru ala wajhihi yawm al-qiyamah. Comment le mécréant pourra-t-il marcher sur son visage le jour de la résurrection?
Et le prophète lui répond, alayhi salatu wassalam, alaysa alladhi yamshahu ala rijlayhi fi dunya qadiran ala an yumshiyahu ala wajhihi fi al-akhirah. Celui qui l'a fait marcher sur ses pieds ici-bas, n'est-il pas capable de le faire marcher sur son visage dans l'au-delà? Faqala Qatada, bala wa izzati rabbina. Oui, bien sûr, par la puissance de mon Seigneur qu'il en est capable, subhanahu wa ta'ala. Donc tu as le choix. Soit tu marches sur ton visage, ou bien tu marches tranquille et apaisé sur un chemin droit, le jour de la résurrection. Et dans le Coran, Allah s'adresse à nos visages. Il nous dit, Aqim wajhaka lid-din al-qayyim. Dresse et dirige ton visage vers la religion droite. Aqim wajhaka lid-din hanifa. Dresse et dirige ton visage vers la religion purement monothéiste, à l'opposé total du polythéisme. Min qabli an ya'ti yawmun la maradda lahu min Allah. Dresse ton visage, dirige ton visage, soumets ton visage. Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin. Et celui qui soumet son visage à Allah tout en étant bienfaisant, ceux-là qui auront dressé, dirigé, soumis leur visage ici-bas, en embellissant leur cœur et leur poitrine, à travers l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, seront ceux dont les visages seront honorés et embellis et illuminés le jour de la résurrection. Un jour, que quand Allah prendra la décision de le faire arriver, personne ne pourra révoquer cette décision-là. Quant à ceux qui ont passé leur temps à s'embellir, ceux qui ont passé leur temps devant le miroir, ceux qui ont passé leur temps à plaire à Allah, à vouloir plaire aux gens, à des créatures comme elles, quitte à désobéir à Allah Ta'ala et à s'éloigner de lui, alors leurs visages seront méprisés, leurs visages seront humiliés, leurs visages n'auront aucune considération. La yanzurullahu ilayhim yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim. Allah ne les regardera pas et il ne les purifiera pas. Toi qui cherchais les regards des gens comme toi ici-bas, le jour de la résurrection, le jour de la grande rencontre avec Allah, il se détournera de toi et ne voudra même pas te regarder. Si vraiment tu veux honorer ton visage, si vraiment tu veux l'embellir au plus haut point, alors embellis-le pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de meilleure façon de s'embellir auprès d'Allah que de lui obéir et de se soumettre à ses ordres subhanahu wa ta'ala. Ô toi, l'esclave de ton corps, jusqu'à quand vas-tu t'épuiser à son service? Pourquoi recherches-tu des bénéfices dans une chose où il n'y a que des déficits? Aqbil ala nafs, intéresse-toi à ton âme. Wastakmil fada'ilaha, et complète ses mérites. Recherche ses qualités et complète-les. Et si tu ne les trouves pas, alors fais en sorte de les avoir. Fa'anta bin nafsi la bin jismi insanu. Car c'est avec ton âme, pas avec ton corps, que tu es un humain. Et pour finir, Allah Ta'ala dit dans le Coran, Ya bani Adam, ô fils d'Adam, qad anzalna alaykum libasa yuwari sawatikum wa risha. Nous avons certes fait descendre sur vous un vêtement qui cache votre nudité et une parure de quoi vous embellir. Wa risha wa libasu taqwa dhalika khayr. Mais le vêtement de la piété, cela est meilleur. Le vêtement de la piété est meilleur que le vêtement qui va te rajouter de la beauté. Wa libasu taqwa dhalika khayr. La illam yalbasil mar'u al libasan min at-taqwa tajarrada 'uryanan wa law kana kasiya. Si jamais l'être humain ici-bas ne revêt pas le vêtement de la piété, il sera déshabillé de ses vêtements le jour de la résurrection et il sera ressuscité nu quand bien même il avait des vêtements ici-bas. Wa libasu at-taqwa dhalika khayr dhalika min ayati Allah. Cela fait partie des signes d'Allah. La'allahum yadhakkarun. Afin qu'ils se souviennent, afin qu'ils réfléchissent, afin qu'ils raisonnent. Fais-toi beau pour Allah tabaraka wa ta'ala. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ô fils d'Adam, prenez vos parures et vos beautés lorsque vous vous rendez à la mosquée, lorsque vous vous apprêtez à l'adorer et à prier. Regardez mes frères, regardez franchement.
Lorsqu'un événement a de l'importance pour nous, on se prépare. Un mariage, à un événement important. La mode aujourd'hui, quand il y a des mariages, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on loue des voitures. On va pas aller au mariage avec ta 306 ou bien ta Twingo cabossée. Non. Faut en mettre plein la vue aux gens. Alors on va louer les plus belles voitures. On va chercher les plus belles. Des fois tu trouves des limousines. Ils louent des belles voitures. Ensuite, ils vont chez le coiffeur. Ah oui, il ne faut pas arriver là-bas avec des cheveux décoiffés. On va chez le coiffeur. Ensuite, on va soit acheter, soit louer aussi des costumes. Les plus beaux costumes. Comme ils disent, être sur son 31, tu vas les voir arriver avec tous des costumes plus beaux les uns que les autres. Puis, ils vont se parfumer. Ils ne vont pas manger des aliments dont l'odeur est forte. Ils ne vont pas aller fumer un paquet de cigarettes juste avant d'arriver. Non, non, ça va tout casser. Il faut rester beau gosse jusqu'à la fin. Il ne faut pas avoir un pli sur la veste ou la chemise. Puis quand la fête commence, ils chantent et ils dansent et ils tapent dans leurs mains et ils sourient avec les dents plus blanches que du diamant parce qu'il les a frottées pendant une demi-heure avant d'arriver à la salle. Et puis, quand il mange, il fait attention. Il a faim, mais il ne faut pas qu'il mange trop, il a peur de salir son costume. Quand il va conduire, il va faire attention. Il a peur de rayer la carrosserie et de perdre la caution. Vous savez pourquoi, mes frères, tout ça? Parce que ça a de la valeur à nos yeux. Ça compte pour nous. Quand tu vas à la mosquée, par contre, ce n'est qu'une formalité. C'est un truc à faire dans ta journée. On est quel jour aujourd'hui? Vendredi. Ah ouais, il faut aller à la mosquée. C'est pas grave, vas-y. Fais-moi voir mes chaussettes d'hier. Mon jogging de la semaine dernière, pas le temps de mettre un peu de déodorant, alors prendre une douche, j'en prendrai une demain, c'est pas grave. Pas se brosser les dents, manger un pain avec de l'ail ou de l'oignon, pourquoi pas en chemin, j'ai un petit creux. Et pourquoi pas même allumer une cigarette avant de rentrer dans la mosquée, ah ouais. C'est que la mosquée, c'est que le vendredi, c'est que ma religion. Le reste, c'est pas grave. Et puis à la fin, on se rassure en se disant, oh, de toute façon, Allah Ghafur Rahim, hein, t'inquiète, je vais pas rentrer en enfer pour ça. Ah, parce que maintenant, c'est toi qui sais ce qui va te faire rentrer au paradis ou en enfer. Pourquoi tu vas à la mosquée alors? Reste chez toi, quoi. Allez, tu sais toi ce qui fait rentrer les gens au paradis ou en enfer? Une fois, il y a un imam, il rentre dans la mosquée, il le voit, il voit un homme en train de faire une prière entre l'Asr et le Maghrib. Après qu'il ait fini la prière, il lui dit, tu sais quoi, mon frère? Ce n'est pas une heure pour faire la prière, tu dois t'asseoir directement. L'homme il lui répond quoi? Il dit, tu crois qu'Allah, il va me punir parce que je fais la prière? Et même il lui dit non, mais il va te punir parce que tu n'as pas obéi au prophète, alayhi salatu wassalam. Et bien c'est comme ça nous. Nous on est là en train de pleurer dans les mosquées. Quand on n'arrive pas à s'entendre avec sa femme, on vient courir chez l'imam. Ah, il s'il te plaît, viens parler avec ma femme. On vient pleurer à la mosquée quand on fait des cauchemars la nuit et qu'on tremble et qu'on croit qu'on a des genoux. Et à l'imam, s'il te plaît, faire l'oubli. On vient voir l'imam quand il faut faire un mariage. On vient voir l'imam quand il faut ramener des gens à la mosquée parce que quelqu'un vient de mourir à la maison. Mais le reste, pourquoi le reste? Alèche, tu attends quoi pour te rendre compte enfin un jour de l'importance de ta religion? Tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends? Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala, il disait, si ta prière à toi, elle n'a pas de valeur à tes yeux, eh bien sache qu'elle en a encore moins auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette prière que tu fais machinalement, comme un robot, une gymnastique, avec un corps absolument vide d'esprit, avec un cœur dur comme la pierre, ni tu sais ce que tu récites, ni tu sais où tu es dans la prière. Tu fais juste quoi? Allahu Akbar, Samia, Allahu liman hamida, salima, salamu alaykum, rahmatullah. Et fallait, on sort de la mosquée, j'ai pas que ça à faire, j'ai d'autres trucs à faire moi. C'est ça notre vie, mes frères. C'est ça. Sort son téléphone, on se prend en photo, on fait des sourires, on s'envoie des vidéos à des gens qu'on connaît pas. Et nous, on regarde les vidéos des gens qu'on connaît pas. Et on met des likes, et on met des pouces, et on met des j'aime, et on met des j'aime pas. Et c'est comme ça que tu perds ton temps en ce bas monde. Et quand tu vas mourir, il n'y aura plus personne pour te prendre en photo. De toute façon, toi-même, tu ne voudrais pas qu'on prenne en photo dans ta tombe. Quand la mort, elle aura allégé ton visage, quand la mort, elle t'aura changé, quand la mort, elle t'aura fait perdre cette beauté
avec laquelle tu te vantais auprès des autres. Tu veux que personne ne voit ton visage à ce moment-là. Tu veux pas. Quand tu te retrouves seul dans ta tombe, quand ceux qui te mettaient des likes dans tes vidéos, ils vont t'oublier et ils vont liker d'autres personnes. Là, tu vas dire pourquoi j'ai perdu mon temps à chercher des likes. Alors j'aurais dû chercher, j'aurais dû passer mon temps à me faire aimer auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Réveillons-nous mes frères. On vit une époque terrible. Notre fitna à nous, c'est pas la faim. C'est pas la maladie. C'est pas la pauvreté. Notre fitna à nous mes frères, tous ici présents, elle est dans nos poches. Ces téléphones qui nous ont détruit la vie. Oui c'est vrai, ils nous ont arrangé pas mal de choses. Mais je vous assure qu'on a plus perdu qu'on a gagné avec ces appareils-là. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك اللهم أصلح ذات بيننا اللهم اهدنا سبل السلام اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قائمها واتمها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعلنا ممن يستخدم نعمك في معصيتك يا رب العالمين اللهم لا تجعلنا ممن يستخدم نعمك في معصيتك يا رب العالمين اللهم لا تجعلنا ممن يستخدم نعمك في معصيتك يا رب العالمين اللهم ظلمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله